Et voilà, sont des images que j'ai voulu partager avec vous, mais c'est vraiment déplorable. Regardez, ça fait des victimes, des gens qui n'ont même pas été informés de comment se comporter dans des cas de figure comme celui-là. Un tunnel, ce n'est pas fait pour des piétons. Un tunnel, c'est fait pour les voitures. Messieurs, mesdames, Aboboulais, Aboboulaises, s'il vous plaît. Soyez disciplinés. C'est d'une grande n'importe quoi. Je suis désolée pour vous. Je suis contente pour vos tunnels, mais là, vraiment, l'incivilité est au 100%, au top niveau. Vraiment, ressaisissez-vous parce que là, non seulement c'est moche à voir, mais c'est vraiment désolant, déplorable de voir de tels comportements. Franchement, ressaisissez-vous, hein. Il faut vraiment une sensibilisation des populations parce que ce tunnel, je ne sais pas dans quel état il sera d'ici quelques semaines. Hein. J'espère qu'ils vont entretenir ce tunnel, qu'il ne sera pas sale et qu'il ne sera pas dégradé. Et j'espère vraiment que les autorités seront vigilantes et que ce ne soit pas un repère aussi de voyous, de gangsters qui vont agresser les gens sous le tunnel. En tout cas, c'est une belle réalisation, mais il faut vraiment que les autorités réagissent et fassent plus pour les populations, parce que c'est la preuve que les populations ne sont pas habituées à ce genre d'infrastructures. Et ce sont des infrastructures classiques, basiques, que tout pays doit avoir. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire dans cela. Vraiment, les populations doivent être habituées maintenant à ce genre de réalisation. L'Afrique est très en retard. Ah oui. Très, très en retard.